gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une sauce aubergine, tout simplement. Voici le procédé. Une sauce aubergine terre, c'est-à-dire que de la viande de bœuf, des tripes de bœuf. Donc voilà, dans une casserole, j'ai saisi d'abord les tripes et la viande, bien nettoyer et bien laver. Saisir, c'est mettre soit la viande ou les tripes dans une casserole sans ajout d'eau, seulement du sel, couvrir et laisser bouillir. Vous pouvez ajouter du Maggi si vous en consommez. Cette procédure vous permet d'obtenir des sauces goûteuses, des sauces avec des goûts si spéciales, différents des autres. Donc, comme je disais, vous saisissez 5-10 minutes et après vous pouvez ajouter de l'eau, juste un peu d'eau, pas beaucoup d'eau. Lorsque vous cuisinez, ne remplissez pas votre. Lorsque vous cuisinez, évitez de remplir la casserole ou les marmites d'eau. L'eau s'ajoute au fur et à mesure, petit à petit, jusqu'à la fin. Donc voilà, une fois bien saisi que vous avez ajouté l'eau, vous ajoutez les condiments, aubergines, piments, oignons. Vous couvrez, vous laissez bien bouillir. Et une fois les condiments sont cuits, vous retirez et vous ajoutez les crevettes séchées ou du crevette en poudre. Vous pouvez relancer la sauce avec un tout petit peu d'eau encore. En attendant, écrasez tous les condiments en associant de l'ail frais. La quantité d'ail, c'est à votre convenance. Donc, mixez le tout et renversez dans la casserole. On me dit la sauce aubergine, c'est une sauce la plus facile, mais comme les autres sauces, il faut du goût. Chaque maman, chaque région a sa façon de faire les sauces aubergines ou sauce graines, sauce gombo. Mais ne méprisez pas les petits détails, surtout qui font la différence. Après avoir ajouté la mixture, vous ajoutez la petite oignon et de l'huile, soit 5 centilitres d'huile vers la fin, ce qui va donner encore un goût très particulier à votre sauce aubergine. Après, vous pouvez déposer du gombo, des aubergines en morceaux ou mettre du champignon. Agrémenter comme on veut. Mais je vous ai donné des détails à respecter pour que vos sauces soient goûteuses. Après, il y a ceux qui aiment ou préfèrent des sauces aubergines bien diluées, c'est-à-dire beaucoup d'eau. Vous pouvez rajouter de l'eau à la fin. Mais dans ma région, nous affectionnons les sauces qui sont bien épaisses et bien garni, comme dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma recette. Likez, partagez. Je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.